Salut à tous, ça y est, je vous retrouve après quelques mois sans vidéo parce que là cette année, alors je pars pas en Erasmus mais je suis plus dans le sud de la France. Je suis à Strasbourg et c'est une ville que je connaissais pas, donc voilà, pour ma dernière année d'études enfin, je suis à Strasbourg, donc je me suis dit que ce serait sympa de découvrir la ville avec vous. C'est parti! La ville, elle me fait un peu penser à Amsterdam, déjà avec tous les canaux et tout ça, c'est super joli, et aussi parce qu'il y a plein de vélos. Non, c'est une ville sympa, c'est une ville étudiante d'ailleurs. J'ai galéré à trouver un appartement parce que je pouvais pas me déplacer pour faire la visite, donc ça a été une régalère. J'ai eu de la chance de trouver celui-là. Mais sinon, Strasbourg, c'est une jolie ville, déjà niveau architecture, tout ça, puis les gens ont l'air sympas. Et ouais, c'est très international déjà, il y a vraiment l'Allemagne à côté. Moi j'ai le tram à côté, enfin oui, le tram à côté de moi, et on peut en 3 km je suis en Allemagne, donc ça c'est cool. Et puis il y a le côté, ouais, il y a le Parlement européen, tout ça, donc pour un étudiant en droit ça peut être intéressant. Mais surtout ce que je retiens ici, c'est que déjà la vie est moins chère que dans le sud où j'habitais. Et vraiment niveau nourriture, on peut se faire plaisir, c'est trop bien. D'accord, tu nous l'as fait, t'arrêtes, c'est quoi? Crème, oignon, lardon. Allez, santé. Oh là. Cette vidéo, il y en aura d'autres parce qu'il y a pas mal de choses à voir. J'espère que j'aurai le temps. Il y a Colmar, bon, il y a le marché de Noël, il y a Europa Park, le plus grand parc d'Europe apparemment, le parc d'attractions. Donc ouais, j'espère que j'aurai le temps de faire tout ça et je vous emmènerai avec moi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bon appétit.